Voilà. On a repris la route. Alors là, maintenant, il est 9h12. Et on est. Je vais vous dire ça tout de suite. Il faudrait peut-être que je regarde avant. Hein. On est en direction de Bordeaux. Toujours sur la Nationale 10. Et là, je suis en train de passer Barbezieux. Donc voilà. Barbezieux-Saint-Hilaire. Normalement, d'après ce que j'ai vu, on devrait être aux alentours de 13h en Allemagne. Donc là, il est 9h12. Donc voilà quoi. On va faire les 9h de route aujourd'hui pour se rapprocher au maximum. Et puis demain il restera une heure ou deux à faire. Donc voilà, ce sera bon. Hein. Et là, je suis sous une pluie, mais de merde. Oh là là. C'est un truc de malade, les gens. Le pire, c'est qu'il y a 10 minutes, il faisait encore un ciel assez... Ouais, un peu dégagé. Et d'un coup, là, c'est tombé. Wow. Et une belle pluie, hein. Ah là là. C'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà. On va se retrouver après pour le passage à la frontière. Et puis... Et voilà. Prochaine sortie, Cognac. Eh ben, en parlant d'alcool, alors, je vais entamer peut-être un sujet un petit peu sensible. Je ne sais pas. Moi, personnellement, je ne suis pas concerné parce que je ne bois pas d'alcool. Donc, notamment, le routier où je me suis arrêté hier. Et c'est comme ça dans tous les routiers, je pense bien. C'est que... on a la formule de menu. Plat, entrée, dessert. Et les boissons qui sont comprises avec ce menu et qui apparemment sont à volonté, c'est le vin rouge, le vin blanc, l'eau plate et l'eau pétillante. Moi, je suis désolé, mais... Et même dans un reportage que j'ai vu, ça en parlait. Et ça disait, vous laissez les boissons en libre service comme ça. Alors que... tolérance zéro en camion, machin, machin. Mais moi aussi, je me dis, c'est quand même incroyable. Et moi, surtout, je ne bois pas de vin, je ne bois pas de bière, surtout pas quand je suis en camion. Mais déjà en temps normal, je bois une fois toutes les lunes, donc voilà. Ben, quand il y a les fêtes et tout le tralala, au pire, hein, mais c'est tout quoi. Et moi je bois du Coca, du Fanta, mais je dois payer en plus de mon menu. Ça c'est quand même dingue. C'est vraiment inciter les gens à boire. C'est vraiment incroyable. Donc voilà, moi je sais pas les quelques qui vont voir la vidéo, ce que vous en pensez vous de ça, mais moi je trouve ça incompréhensible. Voilà. Et surtout le fait que moi, parce que je ne bois pas d'alcool, je suis désavantagé, on va dire ça comme ça, et je dois payer ma boisson en plus de mon menu. Voilà. Moi je trouve pas ça normal. Si tu ne bois pas d'alcool,
eh bien, tu devrais avoir droit à une boisson soft classique, un soda classique, compris dans ton menu. Après, si tu prends en plus, là, tu payes tes boissons. D'accord. Mais tu prends un coca dans ton menu, et si après tu veux un deuxième, un troisième, et en finir par un coca, un Sprite, là tu payes toi-même. Mais enfin, tu payes toi-même, tu payes en plus, mais bon voilà quoi. Donc voilà, moi c'est un petit peu voilà, c'est pas normal quoi. Donc voilà. C'est dommage hein, mais bon, voilà les gens. Bon allez, on se revoit à la frontière. Et voilà les gens, on se retrouve, frontière espagnole. Vous avez vu les photos que je vous ai partagées, je suis complètement sous le charme. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des montagnes si hautes. C'est un truc de fou. Allez, on y va. Ouais, c'est vrai, je vais m'arrêter après ici pour mettre... Et par contre, la frontière, j'y suis bien à la frontière, parce que je vois pas le panneau Espagne encore. Je sais pas s'il est là-bas ou pas, mais... À mon avis, je suis encore en France ici. Mais... Enfin, je vois qu'il y a quand même pas mal de camions qui s'arrêtent ici. Donc je vais quand même déjà faire... l'entrée de pays là sur le tachygraphe, je préfère le faire maintenant, comme ça au moins je suis tranquille. Entrée conducteur 1, pays départ F B D N L A. Voilà. Oula. Région début. E, A, N. Ouais. Ah, là, je vais avoir besoin d'un coup de main. Alors, je vais téléphoner à un petit collègue. Parce que là, je vous avoue que je suis perdu. Dime, quantas veces me volviste demente. Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime, ¿cuántas veces me volviste demente? Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Quiero por ti, 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 quiero por ti.
volviste demente. Ahora sin ti estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol. Hasta que nazca el sol. Oh, oh. Je suis rentré en Espagne aux alentours de 14h, il est 17h25 et je viens seulement de quitter la frontière et la ville de Irun, là où on fait le plein en rentrant en Espagne, pour dire d'être sûr d'avoir assez diesel pour aller livrer dans le fond là et remonter après et pouvoir repartir. Et en sortant de l'Espagne, on refait le plein aussi. Mais le problème ici, c'est que la station essence en question, il y avait plein de problèmes. Les pompes n'arrêtaient pas de bugger. D'ailleurs, il y avait les services techniques qui étaient là. Donc, du coup, ben, pas évident, quoi. Donc voilà. Des heures de perdu. Il y avait des files de bouchons dans tout le zoning autour de la station essence. Donc, c'était pas évident du tout. Et j'espère qu'au retour demain, ou même après-demain, je ne sais pas, j'espère que ça se passera mieux, parce que du coup, c'était assez compliqué, quoi. Donc voilà, là maintenant, on est sur les routes en Espagne. Il me reste 3 heures de volant, donc je vais faire certainement dans les 2h30 de volant. On verra bien jusqu'où ça nous mène. On verra bien. Donc voilà. Là, je regarde par rapport au GPS. À mon avis, je vais continuer tout droit pendant un long moment. Donc voilà, il me reste 509 km à faire et 6 heures de route. Donc 6 heures de route, je peux faire 2h30 aujourd'hui. Donc il me restera 3h30 à faire demain matin. Donc, je vais devoir partir à 5h du matin. Et puis voilà. Et en espérant qu'il n'y aura pas de problème sur les routes demain pour arriver chez le client, quoi. Donc voilà les gens. Allez, je vous montre un petit peu les routes espagnoles, même si c'est l'autoroute. Je vous montre ça. Alors moi ici, alors il y a une route qui part à gauche et moi apparemment je dois rester à droite. Ouais, c'est ça, Burgos. Burgos. Je sais pas comment on le prononce, mais bon, c'est pas grave. Donc moi à mon avis je reste ici. Et on monte, on monte, on monte. Allez, je vous montre un peu la route. Comme ça, vous aurez aussi des beaux paysages.
Bonjour à tous. On atteint pile les 15 minutes de pause. C'est parfait. On va reprendre la route. Je suis en route depuis 4h30. Et là, ben, il est 6h45, 47. Donc j'ai déjà 1h45 de volant aujourd'hui. Voilà, voilà. Et il me reste 2h40 pour arriver chez le client. Donc voilà, il faudra quand même que je fasse ma pause de 30 minutes. Comme ça, après, une fois que je serai chez le client, j'ai le temps de livrer et de repartir jusqu'au prochain chargement. Allez, on peut y aller. Stay at home or in a foreign land.
I got the world in my head.
Voilà. On arrive dans quelques instants. On va prendre la sortie et on va rentrer sur le petit village. Par contre, c'est marrant parce que je ne vois quand même toujours pas le nom de la ville où je vais livrer. Donc, mais bon, je suis quand même là, je suis à 8 km. Ah si, je vais peut-être le voir sur le panneau blanc là-bas. Non, même pas. Il a du mal à ralentir ici, le petit. Ce sont des routes, les gens, je vous garantis. On a encore des beaux paysages ici. Malheureusement, c'est un petit peu sali par la pluie, mais bon, c'était déjà plus joli hier. Mais ils veulent qu'on roule à 5. Les vitesses ici, c'est bizarre, hein. 40, 70, 50. C'est bizarre leur façon de faire. Il pleut, bergère. Voilà. Et je vais repasser la caméra sur le pare-brise puisqu'on est un petit peu en ville, donc on va vous montrer ça, hein.